Salut à tous, sachez que on vient juste de regarder le reportage sur les pizzas. Et je vous avoue, je suis quelqu'un de très original, j'aime rester sur la même dynamique. Donc là, on va aller sur un reportage sur les burgers. Malgré tout, les burgers, je trouve quand même que c'est moins bon que les pizzas. Je tiens à le dire, détestez-moi si vous voulez. Là, j'ai très hâte de voir en fait ce reportage là parce que lui, il est clairement beaucoup plus long. Et là, on va parler du fameux business des burgers. Parce que je veux pas, des burgers, il y en a partout. Et j'aimerais bien que vous mentionniez les règles. Selon vous, quel est le meilleur burger via une franchise? Parce que sinon, si vous me dites le burger du coin, on s'en sortira pas là. Et tous ceux qui vont me répondre McDo, franchement, là. Franchement, j'ai envie de vous bannir tous là. Moi je pense honnêtement que le meilleur burger une franchise c'est Five Guys. D'ailleurs je tiens à dire, en France vous payez extrêmement cher pour Five Guys. Mon dieu comment ils vous exploitent. N'hésitez pas à vous abonner parce que, you know, pensez à mon argent. Parce que bientôt je vais ouvrir ma propre franchise de pizza à la quand les restos Toulouse, US débarquent en la France. La zone commerciale de la Beige. Ce mercredi soir, tous les restaurants semblent déserts. Sauf un, le Tommy's Diner. Le Tommy's Diner, quelqu'un connaît Tommy's Diner? Est-ce que c'est un truc connu? Je sais pas, yeah. Ça m'a l'air d'un truc looky. À l'intérieur, on se croirait revenu dans l'Amérique du siècle dernier. Ah, je vois le genre de... Ah oui, oui, ça j'adore, genre d'ambiance là, un peu rétro. Non, j'aime bien. Une fois par mois, une chanteuse habillée en GI de la Seconde Guerre mondiale se produit sur scène. Pendant ça, c'est que cool, ça. Serveurs en nœud papillon... Waouh! Mais comment ils font pour manger tout ça, les gens? Transporte des burgers à plusieurs étages. What the fuck, c'est pour deux semaines, là? Comment tu peux bouffer ça? Jumbo. Les Jumbo. Ah ouais... Bon appétit. Vous avez pas mangé de la journée ou quoi? Je fais régime, je fais régime. Ça se voit. C'est le cheat meal aujourd'hui. C'est quoi ça, le cheat meal? Ah bah là, tu connais pas frérot? C'est un repas gras par semaine. C'est un truc de connaisseur, ouais, t'inquiète. La seule chose très qui ne soit pas américaine ici, c'est l'accent du patron, Patrick Soula. Son restaurant est une institution à Toulouse. En vrai, l'ambiance a l'air lourde. Il attire midi et soir, famille et groupe de jeunes qui viennent chercher ici ce qu'on ne trouve dans aucun restaurant du coin. Pas même chez McDo. Là, des mesures. What? Qui dans le chat l'aurait terminé le burger, là? Qui l'aurait bouffé sans aucun stress au complet? Genre, j'avoue que ça, je l'aurais bouffé. Peut-être pas au complet, là, c'est... C'est, mal, c'est plus sympa, ouais. Il y a le décor et tout. L'ambiance un peu je sais pas à quel point c'est bon, mais... 60s, un peu. Chez Patrick, en plus... Ah ouais, bro. On applaudit les clients les plus gourmands. Ça, c'est un cheat code, là. C'est plus un cheat meal. Et la recette fonctionne. Il n'y a qu'à voir le nombre de couverts ce soir encore. On est à 245. Ce soir ? Non. Il reste une heure et demie, donc on va faire l'objectif. Mais c'est bonheur, du bonheur. Ouais, c'est bien passé, c'est super. Ça marche les affaires ? Le business, c'est le business. On va pas se plaindre ce soir. Avec ce seul restaurant, les bons mots. Patrick réalise 4 600 000 euros de chiffre d'affaires par an. Vous avez dit que récemment que j'ai une idée, j'ai trop envie de faire des burgers. J'ai envie de créer une société, genre un business, genre comme on crée des burgers de plusieurs étages de préférence, je pense. Ouais, du bonheur. Son concept fait un carton. Manquez l'American. À croire que l'Amérique fascine toujours autant. Qui a déjà eu une voiture comme ça, Saint-Hubert? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà eu ça? Les Français, vous pouvez pas comprendre. Tous les Européens, vous comprendrez pas. Mais référence, chez Saint-Hubert, il y avait des voitures jaunes comme ça, là. Oh my god, quelle époque. Pour réussir dans ce business, pas besoin d'avoir du sang américain qui coule dans les veines. Yes, ça c'est une bonne chose pour notre société. Yes. Ce matin, il fait 2 degrés. Et comme toujours, c'est au guidon de sa Harley Davidson que Patrick Soula se rend. Ah ouais, très américain là. La Harley et à tout. À 53 ans, il est propriétaire de 10 restaurants Tommy's. Ah ouais. Une PME de 380 salariés installée aux quatre coins de la France. Ok, le frérot il brasse, ok. C'est le vaisseau amiral du groupe. Avec comme manager, le fils unique de Patrick. Ah oui, ils sont... Tous ces restaurants sont décorés suivant le même thème. Mais j'aime le flow des restaurants en tout cas. Je suis hyper nostalgique de tous les gens qui ont marqué l'histoire des années 50 et 60. On peut pas dire qu'on est fan de Martin Luther King ou de Kennedy ou de je ne sais quoi, mais tous ces gens, ça m'intéresse. J'aime leur histoire, ça m'intéresse. J'ai beaucoup de bouquins sur eux, tout ça. Okay. Des centaines d'affiches aux luminaires. En passant par les banquettes et la table en formica, Patrick a tout importé des États-Unis. Et pour ce puriste, pas question de regarder à la dépense. Oh ouais, c'est un truc d'élevé, ça. Ça, en revanche, ça fait partie de la déco. C'est incontournable. Il y a au moins une pompe à essence dans chaque restaurant. Ça, c'est le minimum syndical. C'est des vraies pompes à essence qui ont été reconditionnées. Ouais, combien, ça? Des parts États-Unis, ça vaut pas moins de 2 500 $, quoi. Ça, c'est un distributeur Coca chacune. Qui fonctionne. Hein. Il n'est pas chargé. Ça vaut 7 000 $, ça. Facile. Ah, oh, what? Finalement,
C'est des objets de collection, là. Le nom de son restaurant n'est pas 100% made in USA. Tommy, c'est le prénom de son fils. J'ai appelé le restaurant comme mon fils. J'ai ouvert le restaurant, mon fils était déjà né, donc je ne me suis pas posé trop de questions de savoir comment, quel nom j'allais donner. Je ne savais pas que j'aurais qu'un fils, donc j'en ai eu qu'un, je n'ai pas eu de soucis derrière. Donc Tommy est né en 90, le premier restaurant ouvert en... Ah, les Origin Stories, c'est mignon. En vrai, là, il faut le donner, c'est incroyable. 1993. Franchement, il n'y a même pas eu de savoir, machin, truc chouette. Tommy's Diner Café, point la ligne. Bref, heureusement que tu n'as pas un autre enfant. Hein. Son premier restaurant... Patrick l'ouvre dans le centre-ville de Toulouse. Son fils, Tommy, baigne déjà dans cette ambiance américaine. Ok. Client qui mange. Je pensais que c'était une franchise américaine qu'ils avaient ramenée au quai, et c'est cool. Il n'y avait pas de vrai restaurant autour du burger. Le burger, c'était McDo. Yo, on dirait pas qu'il ressemble à Joe Rogan. Vous connaissez pas Joe Rogan, les Ray? C'est commentateur MMA. Il a un podcast, là. C'est lui qui a ramené Elon Musk, là. Ils avaient fumé de la beuh et tout, là. Dans mon trip, quoi. Ça se dit pas un truc? Mais si le restaurant a du succès, c'est surtout grâce à la notoriété de son patron. Patrick est alors une star du rugby. Allez écrire Joe Rogan, vous allez voir. Ah ouais, c'est une rockstar en plus, là. Mais en tout cas, ce sont les plus valeureux. Dans les années 90, il est le talonneur du Stade Toulousain aux côtés de Tourner et Califano. Il joue même en équipe de France. À la fin de sa carrière, en 1999, il réalise son rêve, parcourir la route 66 à moto. Avec son fils Tommy, rasé comme papa. Il s'arrête dans des diners pour y manger, mais surtout, y puiser des idées. Ah. Aujourd'hui, c'est long, son fils applique à la lettre les recettes apprises aux États-Unis avec papa. Ok, non mais là, mais faut qu'on parle, là, parce qu'il y a la passion qui m'est revenue, évidemment. Si on devait créer une enseigne de burgers, elle s'appellerait comment? The Bass Burger. And I like this shit, là, bro. I like the idea, it's very American. À l'étage... Memphis Coffee. Oh, on l'appelle Burger King, m'a dit. Les chicken wings, les onion rings et puis les clubs jambon. C'est l'enseigne leader des diners en France. Oh. Son patron, Rodolphe Valgren, vient d'ouvrir ici son 69e restaurant. Même carrelage à damier que chez Tommy's, même décoration. Et dans les assiettes aussi, burger surmonté d'un petit drapeau américain. Mais la comparaison avec le concept de Patrick Soula s'arrête là. Oh, bah attends, on va lui poser la question. Pour les années 50 aux États-Unis. Moi, déjà, c'est pas une passion. C'est pas du tout une passion. Je suis pas passionné. Lui, c'est le business. Des années 50. Mais pourquoi tu fais ça? Je suis pas passionné des années 60. Je suis pas passionné par le rock. Je suis pas passionné par les burgers. En fait, j'aime rien. Ni par les États-Unis. Moi, c'est mon business. J'aime Non, mais il avoue, moi, il a. Ok, d'accord. Excusez-moi, young businessman. On veut réussir dans les affaires. Nous, on est là pour la passion. Le burger m'a dit va le niquer. Il vaut mieux pas être trop passionné. Cet homme sûr de lui. Il vaut mieux pas être trop passionné. Vous le quoi, connaissez ça peut-être. En 2014, Ah, il a participé à Patron. Il faut trop qu'on regarde son épisode. Rodolphe était le héros de Patron Incognito, une émission dans laquelle il se mettait dans la peau d'un employé d'un de ses restaurants. Wow, les cheveux là, c'est. Ça se voit que c'est réel. Écoute, dans la restauration, on commence ces trucs, on le finit. Je vais aller me redresser là-bas, s'il te plaît. Crossover de baiser, grosse je te jure. Cylindrée, incroyable. Belle villa, ce fils d'un riche entrepreneur montpelliérain affichait déjà fièrement sa réussite. Depuis. Le jeune patron a multiplié par 7 le nombre de ses restaurants et il est devenu millionnaire. Pour ceux qui sont déjà allés, vous préférez mieux Memphis ou Tommy's Burger, je sais pas trop quoi là. Est-ce que la passion va gagner? Tommy's, Memphis. Oh, c'est serré. Non mais sérieusement, on s'en fout de l'histoire de la passion, peu importe là, vous me dites vraiment ce que. Oh, c'est serré. C'est très serré. Oui, quelqu'un a trouvé le nom parfait. Maddie's. Parce que aux États-Unis, il y a un nom. D'ailleurs, ça choque toujours les Américains quand je vais aux États-Unis et qu'ils me demandent mon nom. Si je peux pas dire Maddie. Parce que ça se dit pas, en fait, ils arrivent pas à le dire. Donc eux, ils disent Maddie. Mais Maddie, c'est un nom de meuf. Sauf que j'ai l'air vraiment d'un génie à chaque fois que je dis mon nom. Mais j'aime bien cet aspect-là. On va tourner le truc un peu américain, là. Maddie's Burger. J'aime bien. Ils veulent valider leur plaquette de présentation. Voilà le business de Rodolphe. Contrairement à Patricia, Lucy. Lui ne possède que 5 restaurants. Comme pour la pizza. Il réalise les 3/4 de son chiffre d'affaires. En vendant son concept à des franchisés. Pour commencer, il demande à tous ses candidats 35 000 euros. C'est tout ? C'est le ticket d'entrée pour avoir le droit de s'appeler Memphis Coffee. Mais c'est sur l'aménagement des restaurants qu'il gagne le plus d'argent. Ça a monté forcément. Car il vend à ses franchisés du clé en main. Ah, ok, bah forcément ça a monté. Par le mobilier. Chose rare dans le milieu de la franchise. Rodolphe possède sa propre société de fabrication de meubles. On gagne un peu d'argent, on crée de l'emploi. Du made in France, 40% plus cher que s'il faisait venir ses meubles des États-Unis. Ces meubles, Rodolphe les vend 100 000 euros à chaque franchisé. Ouf.
Ok. Et il doit se faire un petit bénéfice. 100 000 euros de plus en moyenne s'ils font appel à lui pour les travaux. Okay. Mais ce n'est qu'un début. Car il faut ensuite décorer le restaurant et l'équiper. Des fausses pompes à essence vintage à 1600 euros pièce. Ah ouais. L'horloge. So, il se fait un bénéfice sur la vente de franchise. À 350 euros. Smart. En passant par les assiettes, un peu le concept, là, mais je veux dire, Rodolphe n'a pas de mal à convaincre ses franchisés d'acheter ses fournitures. Le contrat les oblige à avoir des produits estampillés Memphis. Un euro le verre ? À peu près, tout à fait. Il faut savoir que ce qui coûte cher, c'est le logo hein, sur un verre. Hein. Ça peut être les deux tiers du prix du verre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients, quand ils rentrent dans un restaurant, ils retrouvent la même vaisselle, le même hamburger, le même service, les serveuses avec les mêmes tenues. Après, si un franchisé trouve mieux, moins cher ailleurs, c'est la liberté de la concurrence, il a tout à fait le droit d'y aller. Mmh. Il se trouve qu'il a du mal à trouver, puisque nous, on fait tirer en grande quantité et on a des prix très placés. Au total... Je lui donne, c'est un gros businessman, mais je préfère mieux quand même le backstory de Tommy's. Tommy's, c'était plus inspirant. Sur chaque ouverture de restaurant, Rodolphe... Choix, hein. En vendant son concept à des franchisés, Rodolphe réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un succès qui fait grincer les dents de son concurrent de toujours. Oh, ok, faut qu'on va voir la rivalité. Oh, c'est fort. Ils ont fait fort sur le reportage. Là. Le patron de Tommy's Diner, selon lui, le jeune loup lui aurait piqué son idée. Mais il n'aime pas trop qu'on aborde la question. Mais ça ressemble quand même pas mal à Memphis Coffee, hier. Oh, regardez son regard, genre. il trouve pas ça drôle. Il y a deux ans, les deux hommes sont entrés en contact. Selon Patrick, Rodolphe aurait flashé sur son restaurant et proposé de monter une franchise Tommy's. Mais il a réussi à trouver une tactique là pour pouvoir voler un peu l'idée, ok. Nous avons commencé à discuter. Il ah ok, fois, ok, il... ok. En vrai, c'est un peu un bâtard l'autre là. Ici au restaurant de la Belge, voilà. Et puis un jour, il m'a dit, bon écoutez, ça va pas assez vite tout ça. Et puis quelques mois après, j'ai reçu par mail un article de la Provence où ce monsieur donc posait fièrement devant la même pompe à essence que ce que je lui avais indiqué. Et donc dans un restaurant qui ressemblait quand même. Juste pour être sûr, je pense pas que c'est Memphis qui ont créé ce concept-là, non? C'est pas, je pense, j'ai déjà vu genre de resto genre partout, même aux États-Unis. Ok, c'était peut-être le premier à l'amener en France, mais je sais pas si c'est le premier à utiliser ce concept-là de trucs rétro. Quelque peu au Tommy's, voilà. C'est ça. Étrangement, ce n'est pas la version de Rodolphe. Ah, c'est quoi sa version? Oh, c'est trop fort, ça. D'y avoir eu le déclic lors d'un séjour à Disneyland, chez Annette Diner, le restaurant le plus populaire du parc. En fait, Patrick Soula, lui, il apprend que je monte un diner américain sur Nîmes, et il me contacte en me disant, voilà, est-ce que vous voulez être mon franchisé? Il n'a jamais fait de franchise. Moi, je lui dis, écoutez, ça ne m'intéresse pas d'être votre franchisé. Par contre, si vous voulez me racheter mon restaurant qui est en construction, pourquoi pas? De là, plus Noël. Mais vous êtes jamais rencontré? Non. Physiquement, vous êtes jamais vu? Non. Jamais? Non. Il est venu voir le... Il était venu voir le site, mais j'étais même pas là. Entre eux deux... Deux visions, hein. Louche tout ça. Dans tous les cas, on sait que c'est pas vous deux qui l'avez créé, là. Une chose est sûre, il y en a un qui ment. Ouais. Les deux hommes ont réglé leur compte devant les tribunaux. Et après 5 ans de procédure, le verdict est tombé. Il existe des ressemblances. Mais elle s'explique par les éléments communs à tous les restaurants. Oh, il a des bons avocats. Inspiré du concept diner des années 50 aux États-Unis. Ah, enfin là, c'est un concept américain. Le rugbyman Patrick Soula a été renvoyé dans ses 22. La mauvaise de voir que quelqu'un a réussi en 3-4 ans, là où lui, en 20 ans, n'a pas réussi. Donc Patrick Soula, l'arrogance. Rien contre cet homme. C'était un ancien rugbyman, il était peut-être très fort au rugby. Mais le business, c'est pas le rugby. Oh, ok. Non, mais ça déconne pas, là. C'est vraiment entre un vrai deux, fight. La guerre est déclarée. Ah, problème de son copyright, désolé. Mais depuis peu, le roi du diner est attaqué par un cow-boy. Il y en a un autre. Laurent Marie, avec son enseigne, Oncle Scott. Oncle Scott, un nouveau challenger qui vient entrer dans le combat, là. Lui aussi développe à grande vitesse son réseau de franchises. Déjà 20 restaurants en France. Et ici, à Mantes-la-Jolie, Laurent a un coup d'avance. Oh, ça ressemble aussi. Alors que l'enseigne de Rodolphe Valgren est encore en travaux, Laurent, lui... inaugure ce soir le dernier né de son réseau. À quel... Ah ok, c'est vraiment une autre... Ok, non, c'est comme j'avais dit, beaucoup plus western, beaucoup plus Red Dead Redemption. Oncle Scott. Que maître de là. The Country Restaurant. The fuck, c'est quoi ce nom? Salut, cowboy. Welcome. Yeeha. Laurent a fait la route depuis chez lui en Normandie pour donner un petit coup de main à son franchisé. Le chasseur blanc. Attends, allez. Qu'est-ce qu'il y a écrit là sur le t-shirt?
Oublie ton régime, ça c'est un slogan qui date d'il y a une... Oh, je suis pas convaincu de leur slogan par contre. Quinzaine d'années. Il s'affiche bien sur lui. Ouais, voilà, parce que temps de changer. Ici, c'est aussi pour l'ambiance western qu'on vient. Chapeau de cow-boy obligatoire pour tout le personnel. Ah ouais. Au mur, pas d'Elvis, mais les rochers gigantesques de Monument de Vallée. Ça, ça a l'air incroyable, j'aimerais trop y aller. Une déco inspirée de l'Amérique du 19e siècle. Avec sur les tables... Là, pour le coup, il n'y a pas de plagiat. Et jeux de poker. On s'y croit, quoi. Et dans l'assiette... Oh ! Ça a l'air moins appétissant, non, celui-là ? Laurent ne fait pas dans la demi-mesure. Il rajoute du gras. Ouais, mais pas qu'un peu, non ? Des plats déjà bien caloriques. Ça, c'est un simple plat que j'ai repéré dans un restaurant aux États-Unis. Et j'ai rajouté du gras. J'ai trouvé ça génial. C'est un petit peu les spaghettis bolognaises, mais revisités avec des frites. Attends, quoi ? Des spaghettis bolognaises revisités avec des frites ? America ! Génial. C'est un petit peu les spaghettis bolognaises, mais revisités avec des frites. Non, faut que t'as dit ça, frérot. Il y a deux Italiens dans le chat qui sont morts, là, clairement. Avec des épices américaines. Après, on a un basique français qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est la véritable andouillette à la lyonnaise, avec une sauce au Saint-Marcellin faite maison. Ça, c'est une tuerie. C'est la Rolls Royce des andouillettes. Ça, c'est génial. What the fuck ? L'idée, c'est aussi que... Ça va, je suis convaincu. J'ai pas spécialement envie d'aller. C'est un crime contre l'humanité. Avant de se lancer dans la restauration, Laurent a vendu des télés en supermarché, fait la plonge dans des pubs et même connu un passage à vide au RMI. C'est bien parce qu'ils ont aucun background de gestion de restaurant, donc c'est bien, ça me donne espoir là. Il a monté son premier restaurant américain à Cherbourg il y a 19 ans, avec déjà la même recette. Nos haricots verts, on les poêle nous-mêmes, c'est pas du micro-ondes, voilà. On met des échalotes dedans, on met des oignons, des entrecôtes comme ça, de cette qualité là. En 400 grammes, donc là vraiment on a vraiment de la matière, on vend ça à 15,90€, il y en a, ils vendent une pizza à ce prix là, nous on vend une belle entrecôte. J'avoue, il a un argument là. C'est ça, non mais, départ de marché à le burger là, il a un argument. Laurent doit absolument trouver les bons plats qui séduiront les clients fans de cuisine américaine. Mais ce n'est pas une mince affaire. Laurent a fait venir au siège de son entreprise les représentants de ses franchisés. Hein ? Deux fois par an, c'était les autres. Ils choisissent ensemble les plats qu'ils vont mettre à la carte. Laurent se charge de trouver les bons produits et négocie les prix avec les fournisseurs. Ses franchisés, eux, ont leur mot à dire sur les choix du patron. Et ils ne s'en privent pas. Ce jour-là, justement, il y a un problème avec le steak cherbourgeois vendu 12,60€. Yo, c'est pas cher, là, pour un steak. Le steak cherbourgeois... Si on prend le steak cherbourgeois qui nous est vendu, on se fait insulter, quoi. Parce que c'est de la merde. Oh, wow. Parce qu'il est dur, parce qu'il est incoupable. Ah ok, bah je ne boufferai jamais celui-là finalement. Il est, ça explique le prix. Mariné, il est dégueulasse. Ok, ok. Il est dégueulasse. Non mais au moins il dit les termes là. Nous personnellement, on a carrément arrêté. Vous êtes en train de me dire que le steak attendri, il est dur. Ah oui. L'attendri, il peut pas être dur. Ah bah si. Si, il est dur. Attends, j'ai les photos. Il est filandreux, il est dur, il est... Tu vois pas la face, frérot. Là, je sais pas ce que c'est. Moi, c'est pas dans le cahier des charges, ça c'est pas normal. Je sais bien que c'est pas dans le cahier des charges. Non, ben, c'est pas, on va les mettre à l'amende, hein, c'est pas normal. S'ils se mettent à faire n'importe quoi. Parce qu'en plus, elle est pas cadeau cette viande, hein, comme tu dis. 9,95€. Non, mais c'est pas cadeau. Et encore, j'ai fait descendre les prix, c'était 10,50€ la dernière fois. Et côté cuisine. Après, je pense pas que la meilleure stratégie pour genre d'ambiance, pour genre de bouffe, c'est le mieux que d'avoir le moins cher. Je sais pas pour vous, mais moi quand je vais dans ce genre de resto, tu sais, je m'attends à payer un peu plus cher pour au moins avoir une certaine qualité. Franchement, c'est bizarre. Il y en a qui veulent avoir une méthode fast-food, mais avec un truc de qualité. Genre, c'est comme il y a un truc qui va pas. Non plus, ils ne vont pas être tendres avec le patron. Non, on va tester le waffle burger, le burger à base d'une gaufre de pommes de terre. On va poêler des champignons dans du vinaigre balsamique. Okay. Ça va donner du peps. Je connais personne qui fait ça aujourd'hui. Bah moi non plus, attends on quoi le fait, c'est vachement bon. Laurent a imaginé cette recette, dont il est persuadé qu'elle fera un carton. Attends, c'était quoi ça? Dites-moi ça, dites-moi si y a un truc. Sinon, on mettra pas la carte, hein, tant pis. Pas défaitiste. Alors, c'est bon ou pas? Bah, le champignon comme ça, c'est bon. Ah, pas convaincant, pas convaincu, clairement. C'est la forme d'un burger. Ça a la couleur d'un burger, mais ça n'a pas le goût d'un burger. Le waffle burger est né. Le waffle, j'avais pas compris, ok, là je comprends mieux. Attends, il a fait un burger avec des gaufres. Ça, j'avoue, par contre, là c'est osé. Je sais pas c'est celui-ci au poisson pané qui sera retenu. Les burgers ne représentent que 30% de ses ventes. Ah, chez okay. ses concurrents, en revanche, c'est plus du double. Alors, pour remporter la bataille du burger, ils sortent l'artillerie lourde. Oh, 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 il m'a hypé là. Comment ça? À Toulouse, Patrick Soula. Le patron de Tommy's Diner a rendez-vous chez le chef étoilé le plus connu de la ville, Michel Sarran. Ils vont faire une collab. Notre Michel Sarran.
Notre? Bah c'est pas le mien ça. Je voudrais parler au maître des lieux. Je suis avec des... Les deux hommes se connaissent depuis 22 ans, à l'époque où Patrick brillait. Ok, il y a des gens dans le chat qui ont l'air de le connaître. Oh Michel, oh ok, okay, je savais pas. Yo, il y a ton fan club dans le chat là, je connaissais pas. Top chef, il fait top chef, ok Patrick, ok, je comprends. Veut mettre à sa carte un burger d'inspiration italienne, à un prix abordable. Ah. Il a demandé... Ah, mon gars Tommy, il fait les bonnes connexions, j'avoue, ça c'est un bon move. Michel Saran, de plancher sur la recette. Ça c'est un bon move. Le steak. Je fais tomate fraîche avec de l'huile d'olive. Ok, okay, je de connaissais la pancetta, pas. Parce que ça aussi, je trouve que c'est très italien. Ah bah voilà. Non mais c'est la preuve que je suis avec des gens qui ne se foutent pas de ma gueule. Mission du chef Saran, un burger facile et rapide à réaliser pour les cuisiniers de Patrick. Mayo tapenade. J'espère en vrai que c'est Tommy qui va gagner la guerre là. Tout qui ne lui coûtera pas plus de 3,50€ à produire. Ah, smart. C'est la deuxième. Quoi, vous voulez me dire que ça coûte 3,50€ à produire, donc la marque d'eau. Que Michel Saran travaille pour Patrick Soula. L'an dernier, il lui avait élaboré une recette à base de bœuf de Kobe et de wasabi. Waouh. Un burger avec oh, sérieux. Michel Saran, est-ce que ça se vend mieux auprès de vos clients? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, on joue aussi là-dessus, hein. Automatiquement, quoi. Michel, vous touchez des royalties ou pas, là, sur les ventes de ces burgers? Oh. Ma famille en parle pas d'argent. Yo, c'est un vrai frère, en vrai. Il faudrait goûter, là, tant que c'est chaud. Allez, on goûte. Allez. En réalité, Patrick a déboursé quelques milliers d'euros. Ah, j'ai rien dit. Pour s'offrir les services de son ami. Ok, j'ai rien dit. Alors, il se permet quelques petites critiques. Moi, j'ai mon côté... Plus, moi je mettrais une autre pancetta. Voilà, moi je veux lui faire des économies, puis lui c'est monsieur plus. Ça a l'air bon, vous m'envoyez un morceau s'il vous plaît, j'ai faim là. Oui, mais c'est bon. Ah, me donne faim. Après... Par rapport à du jambon plus cher. Bah, normal, bah non, mais c'est sûr. Mais il avait dit, ouais, mais il n'y a pas de prix avec moi. En bonus, Michel Saran lui donne même un conseil pour assaisonner ses frites. Patrick, ça c'est pas compliqué. Tu me donneras les proportions? Non. C'est bon, il a bien bossé Michel ou pas? Il revient en deuxième semaine ou pas? Ouais, il revient quand il veut. Son burger, Patrick compte le vendre 13,90€. 13,90€, sachant que ça lui a coûté 5€ à faire. Pas de marge. Son ennemi juré, lui, n'est pas en reste. Chez Memphis Coffee, on n'a pas hésité à s'offrir le plus américain de nos chanteurs. Johnny travaille avec vous ? Ouais, il a travaillé avec nous. Attends, il était décédé au moment de reportage ou pas ? Donc du coup, on n'a pas travaillé avec Michel Saran. Mais par contre, on va parier avec Johnny Hallyday. Yo, c'est fou à quel point je me rends compte de l'impact qu'avait Johnny en France. J'ai jamais vraiment connu cet artiste, mais c'est fou. Genre, à quel point les gens, ils étaient... L'été dernier... Attendez, est-ce que vous pouvez me recommander genre juste un son là de Johnny Hallyday, les Ray? Sérieusement, quand je dis ça, je pense que j'ai jamais écouté un son de Johnny Hallyday de ma vie, genre réellement. Mais envoyez-moi genre votre préféré. Donc là, dans les propositions, j'ai Allumé le feu, Diego, L'envie, je te promets. On va voir c'est quel qui ressort le plus là. Marie, let's go. On va écouter ça. Juste pour la culture là, il faut absolument que je me cultive un minimum. Écoutons ce banger. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Très emotional. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer et rien ne... Ok, nickel. Merci à tous les gens du chat là qui pensent à moi pour le DMC, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer là. Ma chaîne Twitch ne mourra pas. Ok, non, c'était vraiment juste par curiosité. L'ex-idole des jeunes a accepté de coller des autocollants Memphis ici et là, de boire l'apéro avec les gagnants d'un jeu concours organisé par la franchise. Ah, c'est un bon sponsor. Et surtout, Delphine a eu le droit de diffuser durant 4 mois plusieurs épisodes des vacances de Johnny sur le site internet de l'enseigne. Okay. Un joli coup de pub, mais qui reste en travers de la gorge de Rodolphe Valgren. Il fait vendre des burgers, Johnny, ou pas? Johnny fait absolument pas vendre de burgers, non. Mais pourquoi vous le sponsorisez, là? Pourquoi, en fait? Non, c'est pas vrai. Non, sérieusement. Elle a le rire jaune, là. Ça n'a pas été... Alors, pas été une grande réussite. En termes de trafic en restaurant? En termes de business, moi, je parle. Hein. En termes de business? En termes de business, Johnny, on l'aime bien, mais non, il est mieux aller au concert. En termes de... T'as coûté cher ou pas? Johnny, il a coûté un peu de sous, oui. Genre? C'est confidentiel. Oh, chill, c'est pas tout comme c'est ça. Ah oui, c'est très confidentiel. Enfin, je peux dire combien? Non, très confidentiel. Oh, il a envie de donner les chiffres, là. Dis, frérot, dis les termes. Tu veux dire combien de zéros il y a? Non. Oui, dis-tu. Non, non. Elle a pas envie. Ce qui nagerait, c'est une grande fan, ça se voit. Ouais, il a coûté cher. Hein. Hey, mais moi, si je travaillerais avec une entreprise, j'aimerais pas qu'elle parle comme ça de moi, là. Allez, nous, on vous le dit. Ah. L'opération Johnny en vacances leur a coûté 160 000€. Oh, et c'est un beau sponsor, ça. Un quart du budget communication de l'enseigne. Pourtant, pas besoin de dépenser autant d'argent. Bah, mon gars, Johnny, il a fait son chèque, let's go, là. Heureusement que l'autre fille, elle a dit tout à l'heure, genre, c'est extrêmement confidentiel. Le reportage, il a dit, fuck that. De retour
sur Red Dead Redemption 2. Le patron, donc le Scott, lui, préfère sillonner les routes de France avec ce chanteur de country venu tout droit des États-Unis. Laurent, on l'entend pas, a rencontré Scott Randall Rhodes il y a 20 ans lors d'un road trip aux États-Unis. Depuis, il en a fait son emblème. Oh, c'est lui sur l'image. Le patron français. Est-ce que je suis fou, les Rays, si vous connaissez les joueurs du grenier? Vous trouvez pas qu'il ressemble à Seb quand il est déguisé? Là, dans je suis pas fou, let's go. Yo, c'est vraiment Seb, je suis trop fort. A lieu dans une zone commerciale proche de Corbeil-Essonne. Vous avez caché ça, là. Scott a droit à un accueil digne des stars. Yo, Dave, la rockstar, là. Ah, lui, c'est même pas, les c'est 4700 star. Km avalés durant cette tournée ne semblent pas avoir altéré sa forme. Oh, le banger. À 61 ans, Scott a mérité son salaire. 25 000 euros pour toute la tournée, payé exclusivement par Laurent. Oh, oh, les moves. Grâce à cette opération, le patron français a gagné des centaines d'amis supplémentaires sur la page Facebook de son enseigne. Mais surtout, quelle il a star. Permis à son copain de vendre quelques disques en plus à son nouveau fan club. Merci beaucoup. Merci. C'est comment alors? À toi, t'es marié. Tu peux marier. What? Bah alors, madame, on se retient là, qu'est-ce qui vous arrive là? Alors, vous reviendrez ou pas? Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est important comme ça que les. Bah, c'est rare qu'on voit ça dans la corbeille, comme dirait l'autre. Voilà, ouais, l'air de kiffer le monsieur là. Il n'y a plus rien maintenant avec tout ce qui se passe. Bah alors, ça pêche chaud, madame. Vous viendrez, il sera pas là. Désolé. Ben, ça fait rien, on viendra quand même manger. Hein. Avant de s'envoler pour les États-Unis le lendemain, Laurent veut rendre un dernier hommage à celui qui a changé sa vie. Aujourd'hui, puisque c'est la dernière. Oh, c'est mignon. C'est aussi l'anniversaire du décès de son père. Enfin, c'est l'anniversaire de son père qui est décédé. Et donc, on voudrait faire comme on fait tous les soirs, mais là, c'est particulier ce soir. Philadelphie. Oh, remix. La ville de Rocky Balboa. Oh, je l'avais dit. Et des diners. Melrose Diner. Depuis 150 ans, on en trouve à tous les coins de rue. C'est bon pour les lettres, les rêves, vous pouvez vous calmer. Continuez à mettre des lettres, je vous banne. Alors, allez hop, goulag. Patrick Soula et son fils, Tommy, se rendent plus... Bon, attendez, il y en a, il essaie de passer. Bon, nique ta mère, toi. Nique ta mère, toi, frérot. À chaque fois, ils en profitent pour aller dénicher des idées dans ses restaurants. Ok, The Petit Americana Diner. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était il y a 20 ans. Americana Diner. Depuis, la carte n'a pas changé. Il y a moins de photos que sur vos cartes. Là, c'est très, très US. C'est, mais ici, c'est enfin, je reviendrai jamais en arrière. Moi. La photo, c'est ce qui fait vendre le plat. Ouais, mais le vrai diner américain, finalement, il n'a pas de photo là-dedans. Le vrai diner américain, c'est des bibles. Voilà, ça. Belle comparaison. Si tu donnes ça à une table de français. Non, c'est exactement comme ça au States. Hein. Okay, super. J'avoue allez, que c'est une différence que j'ai pas remarqué. Jamais personne ne prendra le temps de lire ça, c'est pas possible. Ce jour-là, il veut tester une recette très populaire auprès des Américains. Mais en vrai, avec le recul, même dans les burgers, je trouve qu'en France, ils sont meilleurs qu'au States. C'est mon constat. Bon, regarde pas la qualité de service. Ah, what? Parce qu'il y en a pas. Vous pourriez proposer ce plat dans vos restos? À l'année, ça marcherait pas, c'est sûr. En revanche, j'aimerais bien essayer à l'automne, au mois de septembre, octobre. Ça, je dis pas que ça va. C'est pas ça qui va faire. On va pas péter les scores avec ça, mais. En attendant, c'est avec un autre incontournable de la cuisine américaine qu'il compte booster son chiffre d'affaires. Ah, une autre collab? Une pâtisserie. Ah. Et justement, le lendemain, ils ont rendez-vous chez Sweet Street avec Sandy Solomon. C'est la patronne d'une des plus grosses fabriques artisanales de gâteaux aux États-Unis. Je pensais qu'ils allaient parler de donuts. Patrick commande tous ses desserts chez elle depuis 10 ans. Sandy a réalisé ses premières recettes dans son garage il y a 37 ans. Aujourd'hui, dans son immense cuisine qui tourne 24 heures sur 24, what, elle produit 45 000 gâteaux par jour. Avec la musique en plus là, what. Préparés dans d'énormes cuves. Ces gâteaux comme ça sont dégueulasses, hein, je sais juste à dire là, c'est... Puis tu sens qu'il n'y a aucun amour là-dedans là. Géant. Ça, il a la chocolaterie. Ouais, un peu dans avant l'ambiance. D'être hein. Surgelé dans la pièce à côté. Pour enfin être découpé à parts égales au millimètre. Ok, pour mes kebs là dans le chat là, vous pourrez confirmer. En gros, il y a des gâteaux comme ça chez Costco. Même s'ils ont l'air appétissants, ne vous fiez pas à ça. Les gâteaux de Sandy, garantis sans OGM, sans colorant artificiel, sont les plus chers du marché. Comme celui-ci, ah, bien. Gorgé de chocolat.
Ah ouais. Gorgé, ouais, c'est bien le terme là, parce que what the fuck. Gros, il y a quoi, genre des brownies, le gâteau, l'intérieur. Waouh. Pour tous mes diabètes dans le chat, c'est pour vous. Ok, c'est quoi vos gâteaux préférés, genre comme c'est quoi que vous demandiez à votre anniversaire? Parce qu'il y en a dans le chat qui disent quand même que ça a l'air bon. Je tiens juste à dire que je veux rien savoir, mais les meilleurs gâteaux, c'est quand il y a des vrais fruits dedans. Et moi, je suis un gros fanboy de fruits, genre RPZ les fruits tous les jours. Quand il y a des vrais fruits dedans là, peu importe, moi je suis framboise, fraise, mix, y a pas de problème. Je vois gâteau, carotte. Franchement, je pensais que c'était mauvais quand j'étais jeune, mais franchement, j'aime bien. Forêt noire avec cerise dedans. C'est limite, ça, c'est très limite parce que c'est facilement écœurant, je trouve. Y a trop de sucre en fait dans le forêt noire. Mais cette visite de l'usine, ça a mis en appétit son père. Ah. Et il a du mal à résister. Oh, oh. Le régime. C'est quoi ça? Non, non, arrêtez, ça ne se... Ça, c'est pas mauvais, ça, j'avoue, ça, c'est pas mauvais. Pour faire joli. Les biscuits un peu gâteau, là, j'aime bien. En fait, les boules, ils les ont mis pour décorer, et moi, j'ai goûté, tu sais, voir ce que c'était. C'est pas du tout comestible. Ah, bien. Et alors? Sandy, constat, c'est bon, tente de lui vendre ses dernières créations. Mais c'est surtout ce cheesecake caramel fourré au brownie. Oh, cheesecake avec des... Je suis confus, là, je sais pas si c'est... ça a l'air bon ou pas, là. Ce cheesecake caramel fourré au brownie qui le fait saliver. On ne l'a pas encore introduit en Europe. Là, j'aimerais bien tenter. Donc, si vous voulez, on peut vous donner l'exclusivité pour quelques mois. Vous pensez que ça va bien se vendre en Europe? We need to talk about it. I love this cheesecake. Moi, j'aimerais bien goûter, là. Comme Patrick a été le premier Français à passer commande chez elle, Sandy acceptera de lui faire une fleur. Il y a plus de 10 ans que je travaille avec Sweet Treat Dessert. Donc, je préfère continuer à venir ici et essayer de trouver un terrain d'entente avec eux sur de l'exclusivité pendant quelques mois qui me feront garder une différence, au moins un certain temps, avec... avec ce que vous appelez la concurrence, quoi. Pourquoi vous les appelez comment, vous? Oui, oui, non, je sais pas. Oui, oui, la concurrence, probablement, ouais. Ah, il ose pas. La concurrence, ah, il les aime justement. Pas. Patrick... Memphis va venir tout copier, là. ...a décidé de l'attaquer de front, en se lançant très prochainement à son tour dans un réseau de franchises. Mais ouvrir un restaurant américain dans une zone commerciale, est-ce vraiment une promesse de réussite? À la sortie d'Épinal, Éric Boisset, lui aussi, a longtemps cru au rêve américain. Donc là-bas, vous avez la zone principale, la zone de Carrefour. Et derrière? Et derrière, donc voilà. Le fameux Buffalo Grill, chez vous? Hein? Ah non, c'est Memphis le... Coffee. C'est Memphis? Buffalo Grill juste à côté, vous avez la jardinerie. A priori, c'est un emplacement de rêve. C'était un très bon emplacement, oui. C'était. Pourquoi c'était? C'était. Ouh, on voit que c'est un homme brisé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, raconte-nous. À l'heure du déjeuner, son Memphis Coffee reste porte-close. Aïe. Éric vient tout juste de déposer le bilan. Faute de clients suffisants pour faire tourner sa boutique et rembourser son emprunt. Il y a 3 ans, cet ancien assureur a investi dans ce projet 280 000 euros. Ah, donc Memphis, c'est pas encore ça, là. Au-delà du concept, visuellement, qu'est-ce qui vous a séduit? La première chose, effectivement, c'était le concept. Et puis, effectivement, la deuxième chose, c'est les promesses de réussite. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire? Les chiffres annoncés. Au niveau du prévisionnel, on m'a annoncé 1 700 000 de chiffre d'affaires. Avec vous avez fait 996 000. Aïe! 2 fois moins. Donc la douche froide. Selon lui, l'installation juste à côté de ce restaurant chinois, avec buffet à volonté, ne l'aurait pas aidé. Quoi? Mais attends, mais t'as un Buffalo Grill aussi juste à côté, là. C'est mais ça, il en veut surtout à la direction de Memphis Coffee, qui lui aurait fait de trop belles promesses. Moi, oralement, ce qu'on m'a promis à l'époque, moi, je me rappelle, mais alors, comme si c'était hier, vous ouvrez les portes et les clients rentrent. Et ils sont rentrés? Ben, ils sont rentrés, mais pas autant qu'ils auraient dû. Comme lui, au moins 10 de franchisés ont du mal à joindre les deux bouts. Ah, Memphis, c'est pas pour tant un bon business, Memphis, là. Pour le patron de Memphis Coffee, ces derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, tous les acteurs de la restauration font du burger. Quand vous avez 10 restaurants à côté qui font du burger, vous êtes impacté, c'est inévitable. Quand vous marquez sur vos publicités, forte rentabilité, ça séduit, ça, les candidats à la franchise. Ça a été marqué, quand même. Bien sûr, ça a été marqué. Donc, c'est quand même une promesse. Mais lui, il est juste là pour le business, il s'en bat les couilles. C'est pas une promesse. Forte rentabilité, lorsqu'on écrit forte rentabilité, c'est la réalité. On a des restaurants qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont une forte rentabilité. Après, la rentabilité d'un site à un autre peut énormément varier. Moi, tous mes franchisés, il a pas tous tort, les candidats, hein, pas je leur pose la même question. Et on est en comité de recrutement, je leur dis, est-ce que vous êtes prêts à perdre jusqu'au dernier euro que vous aurez investi chez nous? Parce que c'est une éventualité. Je ne vous garantis pas la réussite à 100%, vous pouvez tout perdre. C'est ça un entrepreneur.
Ok, ça... Oh, et ça se termine là-dessus. Damn. En vrai, de vrai, j'aurais pu regarder ça pendant encore une heure, là. C'était vraiment cool. En vrai, j'ai grave kiffé, là. Je sais pas pour vous, là, mais j'ai passé un bon moment. Elon Musk est cool plus, là. C'est un entrepreneur, là. Je sais pas, moi, j'étais moins fan de sa tactique, là. C'est sûr qu'au final, maintenant, après avoir vu ce reportage-là, je préfère clairement mieux la team de Tommy, là. Leur business a l'air un peu plus legit, on va dire, là. Nice, ben, content que ça vous a plu, en tout cas. Yeah. Je capte les vies, donc j'esquive tous les faux. Pas loin de dire les